l'occasion des 120 ans de la librairie Mola, les éditions Livres de Poche nous ont proposé de choisir 120 coups de cœur parmi le catalogue Le Livre de Poche. Donc les libraires se sont attelés et parmi ces 120 coups de cœur, je vais vous en présenter un qui s'appelle Il était une rivière de Bonnie Jo Campbell, qui est une histoire qui se passe dans les années 70 dans le Michigan, dans la région des lacs. Vous suivez une jeune fille qui fait partie d'une famille un peu mafieuse, en tout cas très soudée, très serrée. Et cette jeune fille, en fait, sa mère l'abandonne lorsqu'elle a 14 ou 15 ans. Elle se retrouve seule avec son père. Tous les deux, ils braconnent, ils chassent. Cette jeune fille est très belle, mais très taiseuse, très sauvage. Et un jour, un de ses oncles tente d'abuser d'elle. Son père va tenter de la venger, va mourir et elle va alors remonter la rivière à la recherche de sa mère afin de se venger. Donc c'est une quête initiatique et vous avez un personnage de femme, enfin de jeune fille en tout cas, qui va devenir femme aussi extraordinaire que d'Alva.